je lui fais un vrai café. Moi, je trouve que c'est le minimum que les élus doivent à leurs concitoyens. Moi, j'ai été marqué tout petit par un instituteur qui permettait aux élèves de s'exprimer et de voter et de participer à une partie de l'enseignement dans la classe. Donc ça m'avait vraiment marqué. Et puis, quand je me suis présenté en tant qu'élu, le maire de l'époque était aussi très favorable à ces démarches qui n'existaient pas dans la collectivité. Je veux dire, la démocratie, je pense que c'est une réponse, en tout cas, aux défis, aux enjeux là, qu'on est en train de vivre, et surtout pour une génération comme la nôtre. Et sur les jeux, d'autant plus que les jeux ont un pouvoir de transformation énorme sur un territoire. C'est un événement qui reste un événement privé et qui donc a un impact énorme sur les citoyens, sur leur mode de vie, sur le transport, sur plein de choses. Donc les problématiques importantes, c'est essayer déjà de convaincre les autres membres d'un conseil municipal que de mettre autour de la table des habitants, des associations, des responsables économiques ne peut être que bénéfique. Alors une des difficultés, c'est comment on arrive à bâtir plusieurs initiatives pérennes dans une commune, comment on laisse la place aux gens, comment on tient compte de leur avis, de leurs remarques. L'habitant perçoit des choses peut-être différemment que l'élu. Et on est aussi, comme je le dis, en relation frontale avec les habitants que l'on peut croiser 10 fois dans la même journée, qui peuvent vous interpeller 5 fois dans la même journée sur des problématiques. C'est une chose qui diffère des grandes villes. Et puis, il y a aussi l'énergie qu'il faut pour ça, pour bâtir des instants. Et de toutes nos initiatives, c'est vraiment quelque chose qui a été très énergivore, en tout cas pour moi, voire quelquefois un peu déstabilisant aussi. Effectivement, il y a des problématiques spécifiques, je pense, quand on parle des JO. Parce que les JO, c'est une gouvernance quand même qui est assez particulière. C'est une gouvernance très plurielle, on va dire. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés par les Jeux. Il y a l'État, il y a les collectivités, il y a les entreprises privées. Et il y a évidemment le comité d'organisation. Et en fait, c'est un petit peu compliqué justement de savoir quelle est notre marge de manœuvre, comment on consulte les citoyens et sur quoi on les fait se concerter, quel impact ils vont avoir, parce que nous-mêmes, au sein du conseil départemental, on n'est pas sûr de pouvoir mettre en œuvre les projets qu'on voudrait sur les Jeux. Plus, c'est un événement qui est privé à la base, donc il laisse assez peu de place, dans les éditions précédentes, qui a laissé peu de place, en fait, finalement, aux citoyens et à la société civile. Donc ça, je pense que c'est un vrai enjeu particulier sur ce sujet-là, sur les Jeux. Sur la commune d'Ayen, en tout cas, les démarches de participation citoyenne ont eu tendance à baisser depuis 2 ou 3 ans. Voilà. Moi, ce que j'aimerais voir, ça serait vraiment une augmentation de cette participation et de cet intérêt qu'ont les élus à la parole citoyenne. Moi, je pense qu'il y a d'énormes compétences cachées dans les villages et que ça ferait un bien fou. Ce serait vraiment des partenariats gagnant-gagnant entre les habitants, les collectivités, les territoires. Mais je pense qu'on laisse de moins en moins la part aux habitants, que ça devient de plus en plus compliqué. L'éloignement, la prise de décision sur des grandes agglomérations éloigne le citoyen de l'élu. Donc, je suis non pas pessimiste, mais je mets en alerte de ma place et de mon niveau sur cet éloignement de la prise de décision. Et ça, je le regrette profondément. On aimerait mettre en place, en fait, un comité citoyen dans le département de la Seine-Saint-Denis qui serait un peu à l'image, bon, alors certes, de moins grande ampleur que la Convention citoyenne sur le climat, mais l'idée, ce serait d'avoir ce petit comité citoyen qui, au début, travaillerait sur des petits sujets, en fait, justement les JO et le budget participatif, puissent avoir leur mot à dire sur comment on fait des politiques publiques, mais aussi qu'on puisse, entre guillemets, les former, sensibiliser et familiariser les citoyens au fonctionnement d'un département, d'une politique publique, parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas du tout comment ça fonctionne et du coup ne peuvent pas forcément participer parce qu'ils n'ont pas de connaissances là-dessus.
Nous avons réalisé 80 cafés éco-citoyens dès 2007, à raison de 6 par mois dans un café. Je trouvais que c'était une forme assez originale, mais ces cafés éco-citoyens ont rassemblé des fois jusqu'à 50-60 personnes qui n'avaient absolument pas d'espace pour évoquer des problématiques qui étaient souvent des problématiques en lien avec l'agenda 21, mais qui étaient souvent, voire toujours, rattachées à la vie collective de notre village. Et on n'avait que des retours très positifs, même si des fois c'était un peu tendu, un peu chaud, quand on fait un café débat sur la chasse, quand on fait un café débat sur le Linky. Mais moi, je suis assez fier de ça, parce que ça a rassemblé des gens divers, variés, qui n'étaient pas toujours les mêmes, sur des réunions thématiques, et aussi dans un lieu un peu différent qu'une salle de conseil municipal, où il y a souvent le maire qui est debout, qui parle aux habitants qui sont assis. En fait, là, tout le monde était mélangé, assis. Et voilà, c'était aussi un lieu très convivial. Oui, alors, bon, alors la Fabrique, ça reste un dispositif qui est assez jeune quand même, hein, qui date d'il y a 2 ans. Évidemment, je vais parler du projet qu'on travaille avec Démocratie Ouverte, qui est ce projet très sympa. Initialement, c'était, on essayait de réfléchir à comment impliquer les citoyens de manière très large au projet JO. Et on a décidé un petit peu de se focaliser sur des publics en difficulté et dont les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. On travaille avec des associations de prévention et de protection de l'enfance. Comment les impliquer dans le projet jeu. L'idée aussi derrière, c'est d'utiliser un peu le sport comme un outil pour faire participer, un outil de participation, un outil de mobilisation. Donc évidemment, tout est encore à construire, mais l'idée, c'est qu'à terme, ces jeunes-là puissent proposer des projets en lien avec les jeux. Donc, ça pourrait être des projets, par exemple, projets culturels ou des projets en lien plus avec la transition écologique, avec, par exemple, les événements éco-responsables. J'invente, hein. Mais voilà, on a tout ce sujet de sensibilisation aussi et d'utiliser le sport comme un outil qui est de plus en plus utilisé actuellement pour sensibiliser sur plein de sujets. C'est d'y aller et d'y croire, hein. Alors après, il y a des garde-fous, il y a peut-être des tiers à utiliser. Le regard que je porte sur ces démarches, pour moi, ont été très positives, même si quelquefois, elles ont été difficiles à mettre en place. On n'a pas toujours été à la hauteur. Moi, je n'ai pas toujours été à la hauteur. Mais je trouve que ça a vraiment été des choses très positives pour la collectivité et pour les habitants, hein. Il y a eu de très belles choses qui ont été faites ici. Moi, je ne peux qu'encourager les élus à s'inscrire dans de telles démarches, hein. De toute façon, je pense que les citoyens et les habitants le demandent des fois maladroitement. Bon, je n'encourage que les élus à s'engager dans de telles démarches, hein. Je pense qu'il faut continuer à innover dans les projets qui font la promotion de la démocratie participative, parce que je pense que c'est vraiment la clé de plein de défis qu'on a à relever au XXIe siècle. Tout là, quand on voit la crise actuelle, je pense qu'il y a vraiment peut-être un déficit de confiance des citoyens vis-à-vis de leurs élus. Et je pense que plus on va aller vers de la participation, de l'information, de la discussion, et du débat, plus on va s'en sortir. On ira, j'espère, dans le bon sens. Mais ça, c'est vérifié. Quand on demandait l'avis aux gens, on allait plutôt dans le bon sens. Donc, j'ai confiance, on va dire. Voilà.